mon on te go tu go dai wala la dai dai ye ko she ko dai ye yoma yoma ko ko to ko e ana mon te go tu go dai wala la Alléluia. Que Dieu m'a mis à cœur. Ce n'est pas pour les invités, c'est pour la mission évangélique de Bethesda. Amen. Alléluia. Je l'ai appelé le cas des cas. Le cas des cas. C'est pour vous. Amen. Nous allons prendre Jean chapitre 5. À partir du verset 1er. Jean 5,
Je lis la parole de Dieu en Jean 5, verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Au verset 3, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Au verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Alléluia. Vous savez, j'ai dit, je veux parler à la mission évangélique de Bethesda, la MEB. La vision d'un ministère, sinon le nom d'un ministère, ça traduit sa vision. Le nom, votre nom, c'est ici. Le nom d'un ministère, ça traduit sa vision. Mission évangélique de Bethesda. Et à en croire ce que notre chat dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons officiellement faire sortir la mission évangélique de Bethesda. C'est comme une dédicace. Alléluia. Ici, d'abord, je vais expliquer. Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde. Maison de bonté. Et mon enseignement aujourd'hui, c'est juste pour que tu saches là où tu es. Et en venant ici, ce à quoi tu dois t'attendre. Vous savez, je dis souvent, il y a la foi. Et il y a ce qu'on appelle la foi personnelle. En venant ici, vous devez normalement, tous les enfants de ce ministère, ou bien lorsque vous voulez parler aux gens de votre ministère, vous devez savoir quoi leur dire. Et aujourd'hui, frère, ce que vous allez dire, ce que vous-même, en venant ici, vous devez vous attendre à ça. Et ce que vous devez dire aux gens, c'est dans ce que je vais dire aujourd'hui. Bien-aimé, normalement, dans la Bible, Bethesda, c'est un endroit spécial dans la ville. Et j'ai dit que la mission évangélique de Bethesda doit être un endroit spécial dans la ville de Paris. Les cas, ce n'est pas tout le monde qui va à Bethesda dans la Bible. Non. Ce n'est pas tout le monde qui va là-bas. J'ai dit le cas des cas. C'est les cas des cas qu'on envoie à Bethesda. Et je veux dire pour toi ici aujourd'hui également que quel que soit ton cas, normalement selon le nom de cette mission, ce que les gens n'ont pas pu faire dans la ville, ce qui a dépassé les médecins. Dans la ville à Jérusalem, il y a les hommes de Dieu, il y a les prophètes, il y a les sacrificateurs, les mandatés de Dieu. Ce que eux, ils n'ont pas pu faire, c'est ça qui va à Bethesda. Quelqu'un n'a qu'à applaudir très fort si tu comprends. C'est ça, on envoie où? À Bethesda. Bethesda est un endroit spécial dans la ville. La mission évangélique de Bethesda doit être un endroit spécial dans la ville. Amen. Les enfants de Bethesda n'ont qu'à dire amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Si tu es enfant de Bethesda, lève-toi et dis amen. Amen. Dis amen très fort encore. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Frère, j'ai dit
que tu dois savoir là où tu es en train de venir. Vous voyez, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est après avoir parlé avec votre pasteur. Et je suis en train de prier, mais qu'est-ce que je dois dire? Le Seigneur m'a mis ça à cœur. Je crois que c'est ça, la grâce de Dieu qui est sur cet homme. Si ton cas a dépassé les médecins, ça a dépassé les hommes de Dieu dans la ville. Ici à Bethesda, ça sera réglé. Parce que ici, c'est la maison de bonté et de miséricorde. Ici, frère, vous savez, je ne suis pas là pour vous réjouir, mais je suis là pour déposer quelque chose. Quand on va sortir de cette convention, je crois que c'est déjà ça. Mais la grâce pour qu'il en soit toujours ainsi, lorsque ça va dépasser la ville là-bas, et quelqu'un va orienter quelqu'un ici, comme ça a été toujours à Bethesda dans la Bible, quand quelqu'un vient ici, son cas sera réglé. Alléluia. Bien-aimés, qui sont ceux-là qui vont à Bethesda? Qui sont ceux-là qui se rendent à Bethesda? Un, ceux-là qui espèrent dans la bonté, dans l'intervention de Dieu. Ceux-là dont le cas a dépassé les hommes et les prières ordinaires. Vous me suivez très bien? Ceux-là qui espèrent en la bonté de Dieu. Ceux-là qui espèrent dans l'intervention surnaturelle de Dieu. Deuxième type de personnes qui vont à Bethesda. Ceux-là qui ont besoin de l'aide, mais qu'on n'a pas pu aider dans la ville. Ceux-là qui ont besoin de l'aide et qu'on n'a pas pu aider dans la ville. Ils vont où? À Bethesda. Si on n'a pas pu t'aider là-bas, je crois que ici, là, quelque chose va se faire dans ta vie. C'est le mandat de ce ministère. C'est la grâce qui est sur ce ministère. Et ça va être comme ça dans cette ville. Les gens qu'on n'a pas pu aider dans la ville, les gens même que les médecins, les hommes de Dieu, les spécialistes n'ont pas pu aider dans la ville, lorsqu'ils vont venir ici, le nom du ministère va travailler dans sa vie. Frère, je crois qu'une foi va être en train de naître en toi. Parce que tu es déjà là. Toi, tu es déjà là. Ça va se passer avec toi. Troisième type de personnes qu'on voit qui se rendent à Bethesda. Ce Bethesda, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un endroit où Dieu agissait directement dans la vie des gens sans l'intervention des hommes. Bethesda. Quand tu vas à Bethesda, tu n'as pas besoin de prophète. Quand tu vas à Bethesda, tu n'as pas besoin d'imposition des mains. Quand tu vas à Bethesda, tu n'as pas besoin de prière. Dieu travaille directement dans la vie des gens. Mon frère, j'ai déjà vu ça chez moi. Écoute-moi. Si tu viens ici, je vais te dire un seul secret. C'est le secret de Bethesda. Alléluia. Bethesda a un seul secret. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Viens seulement, assois-toi. Quelque chose va se passer dans ta vie. Dis amen, je vais entendre ta voix. Je dis quelque chose va se passer avec toi. Dieu agit directement dans la vie des gens sans l'intervention de l'homme. Alléluia. Quand ça dépasse la ville, on dit va à Bethesda. Donc allez annoncer la bonne nouvelle. J'envoie les enfants de Bethesda en ville. Allez annoncer la bonne nouvelle. Ici chez nous là, Dieu travaille sans l'intervention de l'homme. Viens seulement à toi, quelque chose va se passer dans ta vie. Allez annoncer dans la ville que les cas des cas, ici c'est ici Dieu résout ça. Le Dieu de Bethesda le fera. Il va confirmer sa parole. Alléluia. Mais quel est le secret de Bethesda? Dieu a établi des règles à Bethesda. Le secret de Bethesda, c'est quoi? La Bible nous dit que, un, à chaque moment, par moment, un ange descendait.
et agitaient l'eau. L'agitation, c'est quoi? C'est la manifestation de la présence. Et quand l'eau est agitée, la première personne qui tombe dedans est automatiquement guérie. Son problème est solutionné. Sa vie change, son état change. Et il rentre dans la ville différemment. Alléluia. Frère, la règle c'est quoi? Attendre le mouvement de l'eau et descendre le premier. Maintenant, suivez-moi. Ceux-là qui vont même à Bethesda, là où Dieu change la vie des gens, là où Dieu règle les cas des cas, s'ils ne font pas les choses selon les règles, pas de miracle. Pas de miracle. Alors frère, qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un ici ce soir? Dieu a établi des règles ici. Si vous voulez que le miracle s'opère, que tout ce que nous sommes en train de dire soit accompli, faites les choses selon les règles. Frère, si un premier, après le mouvement de l'eau, une première personne est déjà descendue, toi-même tu dis, ok, moi-même je vais descendre quand même. Tu descends quand même. Hello? Alors le miracle est dans quoi? Le miracle est dans l'observation des règles. L'homme de Dieu se tient devant vous pour dire voici les règles à Bethesda. Mon ami, fais ça. Et lorsque tu vas faire ça, mon frère, tu n'as plus besoin de prière. Le miracle va se passer dans ta vie. Tu n'as plus besoin de l'intervention de quelqu'un. Tu n'as plus besoin de l'imposition des mains. Marche seulement selon les règles établies dans la maison. Dans Bethesda et obligatoirement, le miracle va se passer dans ta vie. Frère, voyez, un jour, 10 lépreux sont arrivés voir Jésus. Ils ont dit, oh, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Jésus leur a dit quelque chose. Il n'a pas prié pour eux. Mon frère, je vous dis souvent, parfois on n'a pas besoin de prière. On n'a pas besoin de prophétie. On a besoin seulement d'obéir à quelque chose. Et le miracle s'opère dans notre vie. Ils lui ont dit, Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Oh, nous dit, aide-nous. On a besoin de l'aide. Toi, tu nous dis d'aller montrer au sacrificateur. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et quand ils allaient, la Bible dit, quelque part en chemin. S'ils étaient là, attends que Jésus, Rakabo Sakaya, Zikala Mamama, qu'il impose les mains, qu'il prenne l'onction, qu'il met sur leur tête, qu'il fasse que quelqu'un, frère, laissez tout ça de côté. Quand ils se sont mis en chemin, la Bible nous dit, quelque part en chemin, ils se sont vus purifiés. Ton miracle est quelque part en chemin lorsque tu vas te mettre en chemin pour obéir. Mon frère, commence à obéir à partir de ce soir à ce qui est dit et quelque part en chemin, le miracle va se passer dans ta vie. Aujourd'hui, les hommes ne veulent pas obéir aux règles. Nous voulons seulement écouter les promesses. Nous voulons qu'on... Non, frère. Parfois, parce que tu ne veux pas obéir aux règles, ton miracle est obstrué. Alléluia. Frère, la Bible nous a parlé de quelqu'un encore dans la Bible. Naaman, un homme distingué, un homme de valeur, mais qui a un problème, qui a un mal dans ta vie, qui dans sa vie. Il est venu voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'est même pas sorti pour prier pour lui. Il dit, va te laver cette fois, c'est la règle. Va faire quoi? Va te laver cette fois. Lui, il est venu avec ses propres préjugés. À cause de ce qu'il est, il attend que l'homme de Dieu vienne l'honorer, le prenne à part et lui impose les mains, passe la main dans les plaies. L'homme de Dieu ne l'a même pas regardé. Va te laver. Premièrement, il a commencé à raisonner. Mais je peux me laver quand même en Syrie, les eaux de la Syrie, l'Abama, le Parpa, le ceci. Il a commencé à parler. Heureusement qu'il a des gens bien avec lui.
que Dieu nous accorde la grâce d'avoir avec nous des gens bien. Il a des gens bien avec lui qui lui ont dit, man, tu es un héros. Tout le monde sait en Syrie que tu es un héros. Ce que l'homme de Dieu t'a dit, fais ça. Les règles qu'on a éditées, fais ça. Qu'est-ce que ça te coûte de faire ça? Il a fait prou. Un, prou, deux, prou, trois. Il s'est levé. C'est à cause de vous, hein. Sinon, moi-même, je vais rentrer. Ça fait ça seulement. Prou, trois. Et c'est à cause de vous, hein. Fais ça. La Bible dit, septième fois, quand il a fini de faire, quand il est sorti de l'eau, sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Mon frère, qu'est-ce qui a fait le miracle? Obéissance aux règles. Dieu à Bethesda, Dieu a institué des règles. Il n'a pas lancé la piscine comme ça, de sorte que tout le monde puisse se jeter dedans. Non, si quelqu'un vient, attendez le mouvement de l'eau. Un, deux, pour que le miracle s'opère, c'est celui qui va rentrer le premier. Si le premier est rentré, toi-même tu jettes encore rien. Frère, ici, par la grâce de Dieu, alléluia. Moi je dis seulement à ceux qui viennent chez moi, quand tu viens là, assois-toi. Quand on dit saute, saute. Quand on dit danse à gauche et le reste laisse ça au Dieu que nous servons ici. Je te dis la même chose ici aujourd'hui. À partir de ce soir, quand on dit à droite, va à droite. Quand on dit baissons-nous, baisse-toi. Et laisse le reste au Dieu de Bethesda. Il le fera au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Frère, je vais rapidement terminer mon propos. Amen. Frère, qui sont ceux-là qui se rendent à Bethesda? Quatrième type de personnes. Les malades avec des cas critiques que les médecins n'ont pas pu aider et que les hommes de Dieu n'ont pas pu aider. Cinquième type de personnes. Les gens dont les cas, les situations, les problèmes, les maladies ont tellement duré qu'ils ont perdu espoir. Alléluia. Ça a tellement duré. On a vu un cas là. Et Jésus l'a aidé. Ça a trop duré. Il a perdu totalement espoir. Quand Jésus lui a dit, est-ce que, pourquoi tu es ici? Ah, mais comment tu peux me demander ça? Ici Bethesda, on vient faire quoi ici? Alléluia. C'est les cas qui ont dépassé la ville, on amène ici. Je suis là pour ça. Jésus dit, est-ce que tu veux être réellement guéri? Il dit, je n'ai personne. Frère, lisons la Bible avec l'esprit de la Bible. On dit, lui l'a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais moi, je retiens seulement, je n'ai personne. Les gens ont essayé de l'aider, ils sont fatigués de lui. Mon frère, si ton cas dure, ceux-là qui ont commencé à t'aider au départ, ils vont te laisser. C'est désespéré. Lui-même n'espérait plus rien. Mais je vous envoie annoncer la bonne nouvelle que les délaissés, les désespérés, les abandonnés, ayez le courage de dire que c'est le nom de votre ministère. Ici, Bethesda, ces cas vont trouver une solution. Allez, dis ça en ville. Il dit, je n'ai personne. J'ai dit, ok. Parce que ici, Dieu agit directement dans la vie des gens sans l'intervention humaine. Ok, prends ton lit et vas-y chez toi. Devant tout le monde, il a pris son lit. Il est rentré. Et imaginez, quelqu'un que les gens, ils sont venus déposer, ils sont rentrés. Ils l'ont vu à la maison maintenant debout. Imaginez un peu. Quelqu'un va le voir comme ça et tomber. Je passe sur toi au nom de Jésus. Les gens qui ont essayé de t'aider, ils t'ont déjà laissé. Ils ont vu que ton cas est critique. Tu es devenu un fardeau pour eux. Je veux te dire, dans quelques jours, quelqu'un va te voir et il va tourner le dos. Ce qui est humainement impossible, au nom de Jésus, ici, dans ce lieu, Dieu le fera dans ta vie. Reste, assois-toi seulement et fais ce qui est édité. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi.
Amen. Quelqu'un est sorti du sein du pasteur Zadi. Alléluia. Voilà, parce qu'il l'a enfanté, c'est sa fille spirituelle. Amen. C'est sa collaboratrice. Et elle va venir ici sous vos acclamations pour parler du pasteur Zadi, faire sa biographie. Il est venu d'où? Est-ce qu'il est quitté à Adjamé, derrière pont, hein, en bas du pont, pour venir parler de Jésus? Voilà, parce que tout ça, c'est important. Il y a des gens qui n'ont aucun parcours, ils ont micro pour parler. Alléluia. Elle va venir nous dire qui est son papa. Alléluia. Donc nous allons inviter ici Madame Nguessan. Alléluia, on acclame le Seigneur. Donc je vais vous parler de la biographie de l'homme de Dieu, Papa Zadi. Il est père de 5 enfants biologiques et nous sommes une multitude spirituellement. Il est marié à celle qui est aujourd'hui notre maman à tous, la prophétesse Janine Zadi. Acclamez la vie de notre maman. Alléluia. Amen. On dit derrière un grand homme se cache une grande dame. Et derrière cette grande dame, il y a Dieu. Donc il y a Dieu derrière notre maman. Alléluia. Amen. Le pasteur Marcel Zadi fut musulman pendant plus de 12 ans. Amen. 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 J'ai dit plus de 12 ans. Amen. Donc notre papa, il allait être à l'Adji comme ça. Amen. Amen. Pour voir les manques tout le monde. Awa a tout ça là à côté de lui. Mais il ne connaît pas Dieu. Et quand maman connaît pas, elle-même connaissait Dieu, Dieu n'a rien dit. Il y a des poissons, on prend des petits hameçons. Et puis il y a des poissons, on cherche ce qu'on met à moteur là. Amen. Et dit, va te promener. Il fait la rencontre de Jésus de Nazareth grâce à celle qui est aujourd'hui sa femme. Dont je vous parlais de maman. Il voulait tellement cette femme. Parce que quand il me promenait avec elle, là, papa était derrière nous tous les jours. Amen. Merci beaucoup. Il a poussé Poussette à Bois de Boulogne. Il était babysitter, nounou, il a tout fait. Amen. Qu'elle pousse ici, pousse à gauche. Parce que lui, il sait ce qu'il veut. Amen. Oui, parce que maman a le wifi, mais elle n'avait pas le code de la connexion. Et ça se trouvait quelque part. Amen. Dieu l'a appelée elle. Mais elle était un canal, comme Marie a été canal pour être la mère de Jésus. Il dit, je sais que s'il prend cette femme, elle ne va pas aller au McDo avec lui. Au moins, elle va lui envoyer des enfants, ils seront dans une maison, et ma maison de prière. Donc c'est Dieu qui fait le reste quand il met maman devant lui. Amen. Donc on dit grand merci à notre maman. Grâce à elle aujourd'hui, les gens n'ont pas à la guichoco dans une mosquée à Bobo Samaké là-bas. Amen. Amen. Quand notre papa nous parle d'Agamé, nous aussi on connaît Agamé. Agamé, Makassi vers Williamsville, il y a une mosquée là-bas. Peut-être notre papa allait s'asseoir là-bas. Chokobi va tuer la Ladji là. Mais il est vaincu. Aujourd'hui, il est pasteur au nom de Jésus. Arrivé à Jésus, il a été accueilli par l'apôtre Francine Taki, qui est notre mamie. Alléluia. Amen. Sois béni, mamie. C'est ce que j'ai dit, dans la maison de Dieu, il y a ceux que Dieu a appelés, il y a ceux qu'il a bipés, et puis il y a ceux qui se sont réveillés en sursaut dans un cauchemar. Maman Francine, Dieu t'a appelé, c'est pour ça que tu as tiré ton fils pour être dans cette maison aujourd'hui. Sois béni, maman. Amen. Donc notre papa a été ordonné pasteur en décembre 2011 par le prophète Hamilton. Il commence le ministère à domicile avec 4 personnes, et 2 mois plus tard, ils étaient plus de 50. On nous enseignait l'autre fois, ne nous limitons pas à notre entendement. Voyons plus grand. Papa, il a vu plus grand parce que bientôt, on va aller au Stade de France. Amen. Mais si François Hollande vient ici, là, c'est quoi qui nous reste encore? C'est fini. Il n'y a plus Paris Saint-Germain là-bas. C'est nous, là, en Bethesda, on est là-bas. Amen. Il crée la mission évangélique Bethesda le 12 septembre 2012. Et part de son domicile avec un noyau de 50 personnes pour l'adresse du 15 rue Pierre Curie, 93 300 à Aubervilliers, dans une salle en sous-location, l'ancienne salle dans laquelle on était. Dieu lui donne alors une vision lors d'un jeûne de sacrifice de 21 jours.
Quand papa, il est double jeûne. Parce que quand on prend un peu de brûlé, il veut qu'on soit un peu pour l'été. Il dit, bon, aujourd'hui, 21 jours de jeûne, deux fois 21 jours de jeûne. Donc, c'est dans ce jeûne-là que Dieu lui a fait une révélation. Il lui a remis une clé. Et quelques mois plus tard, nous voici dans cette belle salle-là. Alléluia! Il n'est pas merveilleux ce Dieu-là. Acclamons la vie de notre papa. Alléluia! Acclamez la vie de maman Zadi. Amen! Alléluia! Amen! Merci maman d'être passée dans cet endroit-là quand il était assis juste là. Amen! Je vais vous repasser le micro à papa Zouzoua. Amen! Alléluia, on acclame le Seigneur. Donnez le micro à notre papa, au parrain de cette cérémonie, au père spirituel de papa Zadi, de venir prendre ce micro et d'inviter le pasteur, d'inviter les collègues pour pouvoir prier, n'est-ce pas, pour l'homme de Dieu. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Comme vous le savez, c'était déjà présenté. Nous sommes là pour deux choses. La cérémonie a deux volets. D'abord, le lancement officiel. Je dis lancement officiel de la mission Bethesda. C'est comme une sortie d'enfant. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est le ministère Bethesda, l'église Bethesda est officiellement lancée. Donc, si vous allez désormais parler de l'anniversaire du démarrage de l'église Bethesda, c'est aujourd'hui le 14 mai. C'est le jour-là que le ministère est officiellement lancé. Applaudissez très fort le Seigneur Jésus. Moi, j'ai travaillé de 1996 à 2001. J'ai dit de 1996 à 2001. Comme ça. L'église a grandi. J'étais plus. J'avoisinais 500 personnes dans mon église quand j'ai fait ça. Et que c'est déjà une grande église. Quand mon père m'a appelé pour dire, écoute, mon enfant, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois lancer la chose. Vous voyez, une église de 400, 500 personnes, hein, ce n'est pas une petite église. Pas une petite église. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Donc, et je l'ai fait en décembre 2001. Bientôt, ça va faire 16 ans. Et à partir de ce moment, le ministère est entré dans une autre dimension. C'est vrai. Et je crois que Bethesda va rentrer dans une autre dimension. Tout ce qui a été dit sur moi ce jour, ça s'est passé. Donc, we are not joking. Nous ne sommes pas en train de nous amuser. Ce n'est pas une simple cérémonie de réjouissance. Il y a des choses qui se passent spirituellement. Et je veux que vous soyez dans l'esprit de ce qui se passe. Alléluia. Donc, votre papa a travaillé dur pour que nous soyons ici. Et vous aussi, pour ceux qui ont la mémoire, quand je suis arrivé là-bas pour la première fois, au fond là-bas pour la première fois, j'ai dit, vous-même, vous ne voyez pas ce qui est là. Et c'est vrai, c'est quelqu'un qui vient du dehors qui voit. Vous-même, vous êtes dedans, c'est naturel. Papa Zadi, papa Zadi, papa, papa, c'est naturel. Mais il y a quelque chose qui est là de surnaturel que vous ne voyez pas. Et je vous exhorte, à partir de ce soir, comme je l'ai dit dans mon message, le nom du ministère va affecter votre vie. Vous comprenez un peu ce que j'ai dit? Vous avez compris mon message tout à l'heure? Le nom du ministère va affecter votre vie. Amen. Et lorsque vous êtes en train d'aller pour parler de Jésus, parlez aussi de Bethesda.
dit viens, viens seulement. On a vu quelqu'un qui a dit ça dans la Bible. Viens voir. Viens seulement et le nom de, votre, de notre ministère va travailler dans ta vie. Alors aujourd'hui, bien-aimés, nous allons appeler le pasteur Zadi. Et vous, ce que nous voulons faire est biblique. L'apôtre Paul a travaillé pendant 14 ans. Si vous lisez Galates, vous allez voir, 14 ans. Et après un temps, il dit, je ne veux pas courir en vain. Les gens qui m'ont dévancé, j'irai leur montrer ce que je suis en train de faire pour prendre leur bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Il est monté à Jérusalem pour voir les pierres, les gens. Et ils ont dit, ok, maintenant nous approuvons. Nous reconnaissons l'appel de Dieu sur ta vie et nous accréditons. C'est une accréditation. Je parle français. Hein? C'est une accréditation. Les hommes que Dieu a établis, s'ils n'accréditent pas, Dieu n'a pas accrédité. Dieu soit loué. S'il a été rebelle, maman ne serait pas là. Hein? Il est capricieux, maman a dit ça. Mais les caprices, ce n'est pas la rébellion. Ou bien, il casse les choses ici, on répare. Il casse encore, on refait. Alléluia. Frère, je suis content parce que moi, je dis toujours aux gens, celui que j'ai quitté pour aller commencer le ministère, je n'ai pas fait du désordre. Et frère, ne faites jamais du désordre pour aller commencer quelque chose pour Dieu. Jamais, jamais. Et si vous suivez quelqu'un qui mélange la maison de Dieu pour aller commencer quelque chose, vous êtes vraiment sur une mauvaise pente. Après, je dis une grande vérité. Et le fait que maman soit ici ce soir, ça nous réconforte. Ça nous réconforte. Et même, ça veut dire que si en temps, il y avait même de petits bruits, je ne sais pas. Mais c'est que aujourd'hui, il n'y a rien. Le terrain est bien. J'ai été déjà là-bas une fois avec le pasteur. Et j'ai la manière dont il est à l'aise à la maison, les gens lui tapent le pot. Je dis, ok, ça, c'est un bon témoignage. Oui, oui, s'il avait mélangé, crié les choses, frère, il ne peut même pas aller là-bas. Il y a des gens aujourd'hui qui ont quitté quelque part, ils ne peuvent plus voir leur pasteur. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que vous êtes sur un bon terrain où la bénédiction de Dieu peut travailler dans votre vie. Alléluia. Frère, parce que Dieu ne cautionne jamais la rébellion. Vous voyez, je dis souvent aux gens, celui qui mélange les choses des gens pour aller commencer pour eux. Frère, quand tu fais ça, vous savez, en cinétique, je suis un scientifique un peu. Il y a ce qu'on appelle la vitesse acquise. Quand tu lances un objet, ça va courir d'abord. Ça va aller même sans rien. Mais arrivé quelque part, ça va s'arrêter. Et ça trompe beaucoup d'hommes de Dieu. Quand ils mélangent les choses des gens, ils commencent et ça fait... Ils pensent que ça évolue. C'est faux. C'est une vitesse à qui ça va finir. Va finir. Mais ça là qui est ici, je crois que ça ne va pas finir. Ça va vous amener dans vos destinées. Nous allons quelque part. Et frère, je dis souvent, je ne me joins pas à quelque chose de bizarre. Non. Jamais. Chez moi, on me connaît pour ça. C'est pourquoi je n'ai pas de camarades. Et amis, pasteurs, on est amis. Non, je n'ai pas ça. Je ne veux même pas. Si je suis avec lui, c'est parce que au départ, mon esprit s'est accroché. J'ai vu la vérité chez lui. Et je dis toujours, il n'y a pas d'homme parfait. Je vous ai dit, ne vous attendez pas à voir un ange devant vous. Il ne sera jamais un ange. Alléluia. Vous êtes là pour apporter ce qu'il n'a pas. Ça veut dire quoi? Là où lui, il est faible, là, votre présence va soutenir sa faiblesse. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Donc, bien-aimé, à la fin, après, quand on va prier pour lui, nous allons aussi dédicacer le temple. Priez pour le temple.
Amen. Et je crois, selon le MC, peut-être, la, je ne sais pas, la feuille de route, mais je crois que là, on sera en train d'aller vers la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons appeler pasteur et sa femme, Jeanne. Alléluia. Suivez-moi. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, suivez. À partir d'aujourd'hui, c'est comme ça, ça m'a été fait. Hein. À partir d'aujourd'hui, si la femme d'un homme de Dieu n'est pas réellement dans son appel, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Hein. Si la femme là veut piétiner ce qui est ici aujourd'hui, elle va gâter ça. Vous êtes d'accord avec moi? Elle va gâter complètement ça. Et ça va se gâter réellement. Mais tant qu'elle sera derrière cet homme, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un ici qui peut gâter ça. Je remercie Dieu pour le couple. Nous prions beaucoup pour la mission Bethesda depuis que Dieu a permis cette rencontre. Je remercie Dieu pour là où Dieu est en train de vous amener. Je ne vais pas dire de les amener. De vous amener. Le chemin reste encore à venir. Et il a besoin de vous. Donc nous pouvons prier. Hein? Nous, on va partir. Je dis ça toujours. Nous, on peut venir faire bonne bouche. Je parle français, ivoirien. Mais on va partir. Mais c'est eux et vous, la mission Bethesda. S'il vous plaît, je vous dis toujours, lorsque tu restes derrière un homme que Dieu a choisi, Dieu sera derrière toi aussi. Restez derrière lui, restez derrière eux, accompagnez-les vraiment. Quand ensemble vous serez en train de faire pour Dieu, Dieu fera aussi pour vous. Je dis Dieu fera pour vous. Les gens qu'on a remercié aujourd'hui sur papier, votre nom a été écrit sur papier. On vous a remercié. Demain quand on va venir, qu'on vous retrouve encore là. N'abandonnez pas votre position. Il y a des anges qui abandonnent leur position au ciel. N'abandonnez pas votre position. Le vent va souffler. Je vous ai dit, ça ne sera jamais rectiligne. Rectiligne, c'est-à-dire tout droit comme ça. Ça ne sera jamais tout droit. Mais, frère, les vrais, Jésus a dit à ses 12 disciples, il y a un qui est parti dedans. Il dit, vous qui m'avez soutenu dans mes épreuves, quand je reviendrai dans la gloire de mon Père, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez avec moi. C'est là que j'ai compris que Jésus aussi a connu des moments d'épreuve. Frère, quand ça va, tout le monde peut être avec vous. Mais c'est quand ça ne va pas qu'on connaît ceux qui sont réellement avec nous. Alléluia. Frère, soyez avec ces hommes. J'ai dit encore, soyez avec ces hommes. Soutenez-les. Dieu vous soutiendra. Et frère, ne faites pas visage contre visage. Faites le cœur contre le cœur. Il y en a, ils vous soutiennent du visage, mais leur cœur n'est pas réellement avec vous. Leur vrai cœur là n'est pas avec vous. Amen. Que votre cœur soit avec eux. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous flatter. Que votre cœur soit avec eux. Et moi, vous savez, Dieu m'a donné une grâce. Là où je suis là, je vous regarde beaucoup. Je regarde beaucoup. Il y en a. Je ne te parlerai pas, mais je prierai. Je vous dis la vérité, hein? Je ne te parlerai pas, je prierai. Il y en a là, Dieu m'a déjà révélé votre cœur. Moi, je ne suis plus un étranger dans cette maison. Non. Dieu m'a déjà révélé le cœur de certaines personnes. Alléluia. Mais je prie que Dieu change votre cœur en bien. J'ai parlé à ma femme. J'ai dit, regardez là-bas. Là. Ça fait aujourd'hui.
mais demain. Et c'est demain là qui est le test. Le temps est le vrai test de la loyauté. J'ai dit le temps est le vrai test de la loyauté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. God bless you. Je dis que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes content pour ce qui se passe ici aujourd'hui? Si tu es content, lève-toi et applaudis très, très, très fort. Lève-toi sur tes pieds et applaudis si tu es content. Applaudis très, très fort. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. Éternel, tu es Dieu. Tu es notre destinée. C'est toi qui es notre choix. C'est toi qui nous conduis. Et c'est toi qui permets l'accomplissement de toute mission dans nos vies. Nous sommes là pour la dédicace, non seulement de cette église, de ta maison, mais aussi nous sommes là pour accréditer l'Éternel, ce que tu as dit et que tu as réalisé sur la vie de ce couple. Seigneur, les hommes de Dieu, tes ministres, sont autour de ce couple pour les soutenir, pour approuver ce que tu as commencé de faire avec eux. Nous voulons, Seigneur, qu'ils puissent aller à l'excellence. Nous voulons, Seigneur, que tout ce que tu as eu à dire sur leur vie s'accomplisse. Nous voulons, Seigneur, qu'ils puissent avoir un soutien. Nous voulons, ô Dieu, que cette maison, qu'ils conduisent cette maison, qu'ils soignent cette maison, qu'ils soignent, qu'ils entretiennent, deviennent pour toi une gloire, un véritable témoignage. C'est pourquoi nous proclamons sur leur vie l'excellence dans le ministère. Nous proclamons une double grâce. Nous proclamons la gloire de Dieu dans ce ministère. Un témoignage puissant par rapport à l'œuvre qui est accomplie tous les jours dans le nom de Jésus. Éternel, tu es Dieu. Tu as toujours exaucé les prières du Seigneur Jésus. Je prie que dans cette maison, qui est une maison de prière, que des miracles s'opèrent, que le témoignage soit fait dans toute la France, dans l'Europe, partout tu vas les emmener, dans les extrémités de la terre, au nom de Jésus. Je prie qu'un élan, un nouvel élan soit manifesté à partir de ce 14 mai dans cette maison, dans ce ministère, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu. Tu as dit à Josué, à partir de ce jour, je vais t'élever devant le peuple que je t'ai donné, le peuple que j'ai mis sous tes pieds. Je vais t'élever, Éternel, que l'élévation soit leur partage. Tu les soutiens dans les moments difficiles. Tu mets des hommes auprès d'eux, des Joseph d'Arimathée, des Dorcas, des personnes qui vont les soutenir jusqu'à l'accomplissement, jusqu'au bout, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est toi qui donnes la capacité. Tu donnes la capacité pour œuvrer. Que l'onction qui est sur la vie de ce couple, Éternel, que tu emmènes cette onction à la restauration. À la restauration. Et que ceux qui n'ont pas encore vu, ceux qui n'ont pas encore expérimenté, qu'ils puissent l'expérimenter dans cette mission. Au nom de Jésus, tu te souviens de leurs enfants. Ne permets pas, Seigneur, que l'ennemi égare ses enfants. Ne permets pas, Seigneur, que l'ennemi éloigne leur progéniture, loin de cette alliance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qui va arriver, Seigneur, tu rattrapes ces enfants. Tu les rattrapes, Seigneur. Tu les rattrapes afin qu'ils soient aussi élevés, afin qu'ils soient aussi un témoignage dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te bénissons pour ta main puissante sur ce ministère, pour l'approbation, pour la grâce, l'accréditation. L'accréditation de ce ministère dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu de grâce, les hommes peuvent se réunir pour bénir sans que tu ne bénisses. S'il y a quelque chose qui peut empêcher la grâce, la bénédiction, l'onction, tout ce dont tes enfants ont besoin pour mener à bien la mission que tu leur as confiée. S'il y a quelque chose dans leur vie qui peut les empêcher de recevoir cela,
comme des enfants que tu as mandatés, d'un commun accord, nous prions que cela soit banni de leur vie. À partir d'aujourd'hui, recevez la grâce, recevez la sagesse d'en haut, recevez l'onction qui vient du ciel, pas l'onction contrefaçonnée, l'onction véritable du Saint-Esprit. Tous ceux dont vous avez besoin, les moyens, les hommes, pour mener à bien cette mission, recevez cela au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, soyez pleinement établis, véritablement établis. Donc, comme un accord, nous disons, vous irez de l'avant. Amen. Les hommes ne vous arrêteront pas. Amen. Les démons ne vous arrêteront pas. Amen. Satan même ne vous arrêtera pas. Amen. Celui qui vous a appelé et confié son œuvre, qu'il soit avec vous. Amen. Que sa bonne main vous accompagne. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Comme les vents se lèvent, tape les montagnes et savons. À partir d'aujourd'hui, tout vent contraire qui va s'élever, vous serez établis et passeront. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la terre de France, tout entière, la terre de Paris, la terre de l'île de France, vous soit favorable. Soit favorable à votre ministère. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu, que Dieu rende le nom de ce ministère grand. Amen. Que Dieu rende votre nom grand. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et pour finir, que Dieu étende vos limites. Amen. 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 Soyez bénis. L'Éternel, que le peuple qui vous suit soit béni. Amen. N'importe qui va soutenir cette œuvre dans votre main, qui ne regrette pas de l'avoir fait. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, que le fruit de cette œuvre qui nous a réunis ici aujourd'hui s'étende par toute la France. Hors de la France, au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu vous donne des hommes fidèles, des hommes, des femmes et des hommes loyaux, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Au nom tout puissant de Jésus, nous profitons, comme Salomon l'a fait, pour remettre dans tes mains ce temple, comme nous l'avons dit, et comme le nom de ce ministère l'indique. Mission évangélique de Bethesda. Nous avons décrit le genre de type qui allait à Bethesda, selon ta parole. N'importe qui va venir ici, quel que soit son cas, qui rentre solutionné au nom de Jésus. Les cas des cas, les cas impossibles, les cas critiques qui vont venir ici, papa, dans le nom de Jésus de Nazareth, qui rentre avec des témoignages, qui rentre guéri, changé, déchargé, transformé, affranchi, délivré, au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous prions que les témoignages de ce que tu vas faire ici, les échos aillent partout la France au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Béni sois-tu. Seigneur, il y a un mouvement dans la piscine. Ici, qui est un mouvement. Un mouvement de Dieu. Un mouvement du Saint-Esprit. Que les gens soient sauvés. Que les vies soient changées. Qu'il y ait des témoignages. Que la miséricorde et la bonté de Dieu soient abondantes et se manifestent réellement en ce lieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Votre union soit bénie. Rien ne rentrera au milieu de vous. Au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tous ceux qui aiment Bethesda n'ont qu'à applaudir très fort. Amen.
êtes, c'est comme ça que vous serez élevé. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, je n'attends pas les acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On acclame Jésus avec des cris de joie, s'il vous plaît. Alléluia. Groupe musical. On va chanter un cantique. Qui est là? Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons vraiment merci pour ce grand programme, ce grand événement. Merci, toi qui es l'alpha et l'oméga. Tu as été l'alpha, tu as commencé avec nous. Tu es aussi l'oméga parce que tu es en train de finir avec nous. Nous te disons vraiment merci au nom de Jésus. Dieu de gloire, comme ça a été dit, durant tout la cérémonie, toute la cérémonie, je prie, papa, que ce ministère entre dans une autre phase. Au nom de Jésus de Nazareth, que les fruits de cette cérémonie commencent à se manifester. Au nom de Jésus. Dans le ministère et dans les vies des enfants du ministère. Au nom de Jésus de Nazareth, tous ceux qui ont quitté, abandonné leurs choses pour arriver soutenir cet événement, papa, maintenant l'heure est arrivée, nous allons rentrer. Seigneur, reste derrière eux. Soutiens-les aussi. Accompagne-les. Chacun dans ce qu'ils font également. Au nom de Jésus, parce que tu es arrivé ici pour soutenir ce programme, que le Dieu des cieux te soutienne aussi dans ce que tu fais. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'une grâce que tu n'avais pas te soit accordée ce soir, parce que tu es arrivé ici. Au nom de Jésus de Nazareth, que la soif de quelqu'un soit étanchée ce soir, parce qu'il est arrivé ici ce soir au nom de Jésus. Que le fardeau de quelqu'un soit ôté, parce qu'il est arrivé ici ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Permets que nous allions trouver notre maison en paix. Mon frère, que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen.